faut dire la vérité, c'est une aide indispensable, parce que ces terroristes sont dotés d'un armement très lourd, très sophistiqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on peut expliquer leur succès dans la dernière invasion du canton de Kobané. Mais, vous savez, lorsque l'aviation frappe une pièce ou deux pièces de l'artillerie, alors rapidement, les terroristes peuvent remplacer ces pièces de leur réserve qui est cachée dans les villages qui sont toujours occupés dans le canton de Kobané. Parce que quand même, Daesh, il a pris la 17e division de l'armée syrienne, le 93e régiment de l'armée syrienne qui était dans la région. La base vient de Tabqa. Et puis, ça, ce sont des armes russes très modernes, T-72 et ainsi de suite. En plus, il a pu amener un armement moderne de fabrication américaine, comme Abraham ou d'autres armes modernes. Et c'est pour cela. La meilleure façon, c'est de fournir une aide militaire de qualité, anti-char, des armes motorisées à cette résistance, parce que la résistance, si avec des armes légères, tout ça, c'est pas efficace. Je pense que peut-être il y a un but que une entité ou un statut pour les sunnites en Irak, mais pour attaquer l'Iran. Peut-être c'est à long terme dans la stratégie, parce qu'il y a deux grands projets et sous-projets. Allez, on va. Alors, il y a un projet, on va dire, sur la légitimation des actions politiques au Moyen-Orient. Et il y a un projet sunnite, un projet chiite. Alors, à l'intérieur du projet sunnite, il y a aussi des sous-projets, sous-stratégies. Il y a sunnite arabe et il y a sunnite ottoman, turc. Alors, à l'intérieur de chaque système aussi, quand il y a des sous-systèmes, par exemple, dans le système, dans la stratégie sunnite arabe, il y a des catholiques qui dirigent un courant, il y a les saoudiens, tout ça. Alors, mais je pense que dans cette stratégie globale, on peut dire que Daesh ferait partie de ce combat. Et sinon, à court terme, je ne pense pas qu'il va s'attaquer à l'Iran. A été, c'est vrai, il y a eu des signes de l'extérieur, de l'encouragement, et puis certaines puissances espéraient d'imposer des partenaires d'Erdogan et de Qatar à Damas. Et donc, nous, de notre côté, on voulait encadrer, canaliser vers un changement démocratique, eux, ils voulaient installer des islamistes. Et comme ils se sont trompés des calculs, ils n'ont pas pu renverser le pouvoir. Ils calculaient mal la complexité géopolitique locale, nationale et régionale. C'est pour cela, lorsque ça perdurait, nous avons mis la main sur un document secret. Alors, vous savez, nos filles et nos garçons ne sont pas seulement forts en armes. Alors ils peuvent nous informer, s'ils nous informent aussi. Alors ils nous ont amené un document qui date du 6 septembre dernier. C'était prévu que normalement les djihadistes devraient prendre notre région, que ces djihadistes, parce qu'ils sont beaucoup plus motivés par leur doctrine, leur endoctrinement, que les Syriens, même des islamistes syriens, et qu'ils sont prêts à mener des actions beaucoup plus violentes, comme le taux de kamikazes chez les Syriens est beaucoup plus faible que chez les étrangers. Alors ils ont prévu dans ce document de faire le modèle afghan. Alors le modèle afghan, c'est quoi? C'est de créer des imarats, et à deux reprises le mot taliban a été cité dans ce document, qu'ils vont faire des imarats comme les talibans, et qu'après on aurait la possibilité de chasser ces talibans comme à l'exemple de ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Afghanistan. Ben nous, on n'a pas caché, hein, nous avons pris le document et nous avons présenté à certaines puissances qui cautionnent les rédacteurs de ce document,
et nous avons demandé de ne pas mener des actions contre notre région, mais malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et le 11 septembre, mais tous les groupes, on dit des groupes modérés, tous les groupes armés, on va dire, de l'opposition, ils ont attaqué la région, la majorité kurde de l'Est jusqu'à la frontière de l'Ouest, pardon, jusqu'à la frontière irakienne, de Afrin jusqu'au bout sur le Tigre. Des grands combats. Même seulement dans une localité, il y a eu 12 chars qui ont participé. Ce n'était pas l'été 72, c'était Abraham. Alors qu'on avait nos filles et nos garçons disposés de quoi pouvoir faire face à ces terroristes. Alors, donc, je pense que c'est Daesh, rendait service, mais lorsqu'ils dépassent, ils ont dépassé certaines limites qui ont été dessinées, à ce moment-là, ils ont trouvé cette roue. Mais sinon, nous avons prévenu toutes les chancelleries, de danger des islamistes. Alors nous avons, à plusieurs entreprises, dit ici aux diplomates français, Monsieur Juppé n'acceptait pas une femme voilée dans sa mairie, mais pourquoi il voulait nous imposer des islamistes, pour que ces islamistes imposent des voiles à nos filles et nos femmes. Mais apparemment, pour des calculs économiques ou géopolitiques des États qui faisaient abstraction de nos avertissements. Actuellement, maintenant, quand même, tant mieux, il y a une mobilisation, mais ce n'est pas suffisant. Cette mobilisation n'est pas suffisante dans la mesure où les frappes ne sont pas assez. Et puis, sur le terrain, en Irak, l'armée irakienne et les Peshmerga assurent le combat sur le terrain, bien sûr avec l'aide de nos unités et les forces de PKK qui sont très opérationnelles, même dernièrement à Kirkuk, à Jalaoula, mais en Syrie, comme je dis, les unités de protection des femmes et les unités de protection du peuple ont prouvé qu'elles sont dignes de confiance. Et la petite comparaison, si on fait, la 17e division n'a résisté que 3 heures. 17e division de l'armée régulière. La ville de Mossoul est protégée par 4 divisions une journée. Alors que la petite ville, défendue par des armes très légères, par les filles et les garçons, mais assez fort parce qu'ils savent défendre une cause juste, ils savent que c'est fondamentaliste et terroriste. S'ils peuvent prendre dessus, s'ils gagnent, et quel sort attend leur attend et attend à leurs parents. Et ça, c'est barbare, qu'ils n'ont aucune valeur à respecter. C'est pour cela, cette résistance est digne de confiance. Et une nouvelle fois, s'il y a un message à passer, je pense que la France est une grande puissance. Et les membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, et les membres du commandement commun de l'OTAN, et le président de la République a pris une position très positive. Nous espérons que cette décision, cette position, se traduise dans des actes concrets et, en l'occurrence, une aide directe à la résistance.